Bonjour, donc voici une vidéo sur le démarrage à vide. Donc j'ai gardé le schéma du part winding, puisque bon, c'est un peu logique dans un part winding de faire un démarrage à vide. Pourquoi? Parce que c'est déjà une belle taille de compresseur quand on a un part winding. Alors je vous ai mis bien sûr le schéma un peu plus sophistiqué que ce que j'avais fait dans le part winding pour expliquer que le part winding. Donc on va voir aussi le schéma fluidique et le schéma électrique. Ok, allez, on commence. Donc ici le schéma fluidique de l'installation. Donc ici on reconnaît bien notre compresseur frigorifique. Le compresseur, on sort du compresseur ici. Donc ici on a un T. On verra après ce que ça représente, ce T. On part ici, donc le refoulement part ici, va à notre condenseur où on va évacuer la chaleur. Du condenseur on sort. On va dans la bouteille de liquide. Sur la bouteille de liquide, on a une soupape de sécurité. Donc ça, c'est obligatoire par les règlements PED. Donc ici, on sort de la bouteille, on va chercher le liquide avec un tube plongeur. On va dans le déshydrateur, le voyant liquide. Ça, c'est la ligne liquide. La vanne magnétique, je la place le plus près possible devant l'évaporateur. Ça, c'est toujours comme ça qu'on la place. Et si vous placez la vanne magnétique trop loin de l'évaporateur, vous pouvez avoir un coupe-bélier et des cassures de tuyauterie. Donc le liquide est arrêté ici, et quand il est envoyé, il a une petite course. Il ne sait pas prendre une grande longueur comme ça pour arriver. Si vous mettez la vanne magnétique près du compresseur, puis vous avez 15 mètres de tuyauterie, le liquide arrive à fond, et la tuyauterie, pof, va bouger comme ça. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on approche le plus près possible de l'évaporateur. Donc la vanne électromagnétique, c'est normalement fermé. Là, on arrive sur un détendeur à égalisation externe. Donc on a le train thermostatique qui est ici, et notre égalisation externe qui est ici. Alors, les piquages se font comme ça pour ne pas faire trop de mélange de tuyauterie, mais n'oublie pas, c'est au-dessus qu'on se pose. Hein. Donc la tuyauterie d'ici se met au-dessus, jamais en dessous de la tuyauterie, jamais. C'est le dessin qui fait comme ça le schéma. Hein. Je répète, la tuyauterie là, et ça, toujours au-dessus, surtout la tuyauterie là. Pourquoi? Parce que quand je sors l'évaporateur, j'ai un peu d'huile, j'accumulerai de l'huile là-dedans, et c'est pas bon. Donc, il faut que ce soit au-dessus. Et on pourra avoir aussi du liquide. Mais c'est surtout l'huile. Alors, du détendeur, je sors ici, je vais sur mon évaporateur. Donc là, je prends la chaleur pour l'envoyer là-bas grâce à la tuyauterie d'aspiration. Tuyauterie d'aspiration, j'arrive à mon compresseur de nouveau. Alors, sur le compresseur, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pressostat HPBP. Donc on voit la HP qui est branchée ici, la BP qui est branchée ici. HPBP, sécurité. Ça, sur le schéma, je vous le montrerai. Et je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. On a un deuxième BP pour la régulation, donc pour ma régulation pendante. Et j'ai un deuxième pressostat HP qui, lui, le pressostat HP qui est ici, me fait la régulation de condensation de mon ventilateur de condenseur. Alors, la chose pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour cette petite vanne magnétique qui est ici. Je vous le dis, je ferai encore une autre vidéo avec régulation sur le compresseur. Pour le moment, c'est régulation externe. Donc la vanne magnétique qui est ici, elle va bypasser, elle est branchée entre la HP et la BP, elle va bypasser la HP et la BP pendant le démarrage. On va avoir le premier contacteur du parc winding qui va s'enclencher, la vanne magnétique sera ouverte. Donc le compresseur va se mettre en route, mais il va tourner à vide, puisqu'on bypasse ici. Puisque ça, c'est normalement fermé, on l'alimente, elle va s'ouvrir. Quand le deuxième contacteur s'enclenche, elle se refermera aussitôt. Parce qu'elle va, dire, bon maintenant moi, je peux me mettre en route. Il ne faut pas oublier que pour que le compresseur se mette en route, j'ai ouvert ma vanne magnétique ici, le gaz est rentré, le pressostat a enclenché ma mise en service, et c'est là que cette vanne magnétique s'est ouverte pour démarrage à vide. Et dès que le deuxième contacteur est mis en route, la vanne se referme et mon compresseur est mis en route, et le système se met en route. Donc la vanne magnétique ici me sert à bypasser pour le premier contacteur se met en route. On verra après une autre installation, ça je ferai une vidéo pour ça parce que ça sera un peu plus complexe aussi. Ce sera un compresseur avec variation de puissance, plus bypass qui sera placé sur le compresseur. Au lieu de l'avoir extérieurement comme ça, ça sera sur le compresseur. Ce qui se fait de plus en plus, il y a des compresseurs qui sont adaptés avec ce système. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le schéma qui correspond à ça. Donc ici, c'est le schéma complet que je vais vous montrer après plus soigneusement. Mais maintenant, je vais vous montrer tous les composants comme je fais d'habitude. Donc ici, on retrouve de nouveau
notre disjoncteur différentiel avec notre main diétothermique pour la commande et notre main diétothermique pour la puissance. Donc dans la puissance, on retrouve quoi ? Ben, comme ça part une ligne, j'ai deux contacteurs, KM1, KM2, deux thermiques et mon compresseur part une ligne. Donc le part-winding, regardez la vidéo qui correspond avec les deux vidéos qui correspondent avec le part-winding. Je reviens sur ma commande parce que c'est ça qui est le but de notre. Alors, on va voir déjà qu'on a un contact K1. K1, il correspond à quoi? Alors, on va regarder ici. K1 est ici. C'est quoi lui? K1, il a une sécurité Q2. Q2, c'est ma sécurité de mes compresseurs. Quand j'ai un compresseur. Quand j'ai le disjoncteur magnétothermique du compresseur qui saute, lui s'ouvre. Ici, on a l'impression ça HP sécurité, BP sécurité. Là, je les ai séparés. Mais bon, ils peuvent être séparés comme ils peuvent être dans mon schéma fluidique où je les ai mis en combiné. Alors ici, j'ai un thermique, deux thermiques, puisque j'ai deux moteurs dans mon part-winding. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la mise en marche de mon système pour que le compresseur se mette en route. Quand lui K1 est enclenché, on a vu que K1 qui est ici, ben, K1 se ferme ici. Quand K1 se ferme ici, ben, ça veut dire que le BP est en attente, mais le BP est en attente. Regardez, ici j'ai K1 aussi ici. Donc quand tout est en sécurité, j'ai K1 sur ma ligne de compresseur et sur ma ligne de commande qui est ici. Donc j'autorise mon installation à fonctionner. Ici j'ai le thermostat. Quand le thermostat dit ouais, ça doit fonctionner, ben, il envoie l'alimentation donc sur KA2, KA3, la vanne électromagnétique VE1, VE2. Donc les deux vannes magnétiques, on va voir à quoi elles correspondent. La VE1, celle qui est ici, là, celle qui est séparée, là, elle alimente la ligne liquide. Donc KA2, ben, c'est quoi? Ben, c'est pour mon démarrage, KA2, KM1. Donc quand la vanne magnétique elle est montée, le pression ça va se fermer. Puisque le gaz va arriver dans les vapeaux, la pression va monter. KA2 étant fermé, ben, il autorise le contacteur KM1 à s'enclencher, qui lui va enclencher la temporisation qu'on voit ici, KM1, qui va enclencher le deuxième KM2, et KM1 va faire auto-maintien quand on va couper avec le thermostat. Ça, je ne réexplique pas parce que j'ai déjà expliqué assez souvent ça. Donc ça, c'est mon démarrage cycle pendant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, de ce côté-là, on a une deuxième vanne magnétique, EV2. EV2 est commandé par KM2. Donc, dès que le thermostat demande, il enclenche tout ça, et il enclenche aussi la vanne magnétique qui est ici. La vanne magnétique étant alimentée, elle va ouvrir et faire le pontage entre la HP et la BP. Elle va ouvrir et laisser un tuyau ouvert entre la HP et la BP de mon compresseur pour permettre le démarrage à vide. Vous voyez, il y a un contact KM2 ici. Le contact KM2, c'est quoi? Contact KM2, c'est le contacteur du deuxième enroulement de mon compresseur. Donc le deuxième, on va dire, entre parenthèses, deuxième compresseur. Quand lui s'enclenche, ben, il dit à la vanne magnétique, moi j'ai plus besoin de toi, tu peux être interrompu. Le contact s'ouvre, la vanne magnétique EV2 n'est plus alimentée et mon compresseur démarre. Donc, mon compresseur n'est plus en démarrage à vide. Il fonctionne normalement. Il va refaire tout son cycle. Bon, ici, maintenant, on voit quoi? Ben, notre schéma. J'ai mis la simulation. Donc, ici, j'enclenche mon Q1, qui est le disjoncteur différentiel de mon circuit. J'enclenche Q4, qui est la commande. Et Q2. Qui est la sécurité disjoncteur magnétothermique de mon compresseur part-winding. Alors, là, il est prêt à partir à fonctionner. Lui, il n'a plus qu'à attendre que je lui donne l'autorisation et que le thermostat demande aussi. Donc ici, moi, j'ai mon interrupteur S2 qui est ici. Je le ferme. Donc on voit que maintenant, j'arrive ici et K1 est déjà enclenché. Pourquoi? Parce que la HP
n'est pas en sécurité, la BPN n'est pas en sécurité, et F1, F2, qui sont ici, ne sont pas en sécurité. Donc ça veut dire que je peux mettre en route mon installation sans problème. Donc je vais monter la température du thermostat. En montant la température du thermostat qui est ici, on va voir KA2 qui va s'enclencher, KA3, la vanne électromagnétique de ligne liquide de mon circuit frigorifique EV1, et EV2 qui va être alimenté aussi, qui est la vanne magnétique de mon démarrage à vide, qui bypasse la HP et la BP. Donc tout ça, ça va s'alimenter en même temps. À partir du moment où ça s'est alimenté en même temps et que l'huile est alimentée, le liquide arrive dans les vapeurs, le pressostat va se fermer, mais ici, on va le pousser, c'est ici. Et on va voir tout le système qui va se mettre en route ici, et on va voir nos contacteurs qui vont se fermer ici. Et on verra, donc observez bien que quand l'huile va s'enclencher, le deuxième, la vanne magnétique va s'ouvrir ici, grâce à KM2 qui est lié ici avec KM2 ici, elle s'ouvrira, et mon compresseur marchera normalement, ne sera plus en système démarrage à vide. Donc on va pousser le thermostat ici, vous allez voir, tout va s'enclencher. Paf ! Le thermostat s'est enclenché ici, vous avez KA2, KA3, EV1, EV2, et maintenant, donc la pression monte dans les vapeaux grâce à EV1, qui est ici. EV1, la pression monte ici. Donc ici, le pressostat va se fermer. On va le fermer. Voilà. Il est fermé. Dès qu'il est fermé, alimenté. Et voyez, la temporisation s'est mise en route. On va le réouvrir pour refaire un démarrage, pour vous montrer que vous regardez bien le système. Donc ici, vous allez voir, le premier contacteur va s'enclencher. Le deuxième. Donc ça, c'est mon système par winding avec l'entrepôt qui est ici. Et vous allez voir la vanne magnétique. Dès que lui est enclenché, lui, elle va s'éteindre. Regardez bien ces deux-là. C'est mon démarrage à vide. Donc j'enclenche ici. Vous voyez, là, il est enclenché, vous voyez, les deux là, paf. Lui, il reste alimenté, mais lui, il n'est plus alimenté. Pourquoi? Parce qu'on est en marche normale, tout est mis en route. Maintenant, je peux arrêter mon démarrage à vide. Là, comment fonctionne un démarrage à vide? Et vous voyez, là, ici, mon compresseur s'est mis en route. Donc, il est enclenché ici, les deux contacteurs, et tout est en service. Voilà. Donc, ici, c'est un démarrage à vide d'un compresseur par tuning avec un système pendant. Donc voilà, la vidéo terminée. Alors cette vidéo, on a vu le démarrage à vide d'un système par tuning. La prochaine fois, pas maintenant, je vais faire d'autres vidéos sur autre chose avant de refaire ça. Aussi sur le démarrage à vide d'un par tuning, mais là avec sur la tête d'un compresseur. Parce que là, je l'ai vu avec une vanne magnétique qu'on rajoute pour faire un bypass, mais là, ce sera avec un compresseur qui est prévu pour, et en même temps on verra les étages, un compresseur qui est commandé par étage avec des bobines. Mais ça, j'expliquerai plus. Je ne vais pas commencer à vous expliquer ça maintenant. Allez, à bientôt.